Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Action Rivale. Il est 20h32, nous sommes le samedi 16 novembre 2019. Et c'est parti, donc on va chercher un kangourou ou un mouton. Ok Google, tu me lances une alarme dans 25 minutes s'il te plaît. Très bien, pour quand? Dans 25 minutes. Ok, réglé à 20h57. Superbe. Ça c'est bien ça. Voilà, comme ça. C'est nickel. Ah, t'as eu la pub, Alexandre? Bon, c'est bien alors, nickel. C'est nickel. Personnel. Ah, c'est Pritzout ça. C'est un Pritzout. On nous a fait une petite cabane en bois, Pritzout. Alors, est-ce qu'il y a les kangourous par là? Des fois, il y en a. Well. Là, il y a des allosaures, donc non. Stegotech, non. Non, pas tout de suite. Hein. Avant, oui, on faisait beaucoup de steak pour les œufs, parce que c'était pour tamer les aigles, hein, avant qu'ils changent. Maintenant, je vois plus l'intérêt pour les steaks, oui, au niveau pour faire vider les tourelles des autres, ouais, par exemple. Ouais, je vais peut-être cailler là, ouais, tu m'étonnes, je vais peut-être me changer là, ça va être mieux. Parce que là, il fait pas chaud là. Alors, attention, vivant, voilà. Non. Ça, c'est ça, voilà. Je vais peut-être mettre la torche sur. C'est le sur le costume qu'on met la torche, non? Sur... Ah ouais, non, bon, on va attendre, là, on va pas le faire. Ouais, c'est vrai, c'est exact. Il y a toute une manœuvre à faire, laisse tomber. Hein. Ouais. Donc là, j'ai un Megatherium, je vais aller regarder le niveau que c'est. Me rapprocher de trop, faut pas y aller trop loin sinon je vais pas le voir. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y a pas des loups qui me sautent dessus. Dangerous. Megatherium niveau 45. Non, c'est pas la peine. Je vais peut-être me le taper, ça va me faire des points de d'expérience. Qui s'y mettent aussi, un ferré. Voilà, je l'ai eu. Essayer de faire les déodons aussi. Purée. Voilà. Des loups, des déos, ça c'est bon. Allez, les équipes 2 là, normalement ça devrait être bon. Voilà, c'est net. Un pec. Un pec bien. Mais non, faut pas partir, Alexandre. Faut pas partir. Non, mais non, parce que j'ai attaqué toutes les bêtes féroces, là. Elle me dit de partir, non. Non, c'est bon, la vie de mon aigle, elle est bien, Alexandre. Alors, voyons voir. Ça, c'est quoi, ça? On s'en fiche. Un Yuti, alors si c'est femelle. Ah non, attends, les croquettes de Yuti, c'est les jaunes, donc j'ai pas. Et je veux pas sacrifier de mouton. Donc non, Yuti, on oublie alors. Je vais juste regarder le niveau. Turquoise. Turquoise. Oh, bah, non, ça c'est bon. Mal Yuti 15. Non, c'est bon, j'en veux pas. Non, j'en veux pas, c'est pas la peine. On va peut-être se le péter. Ça va faire de l'expérience pour l'aigle. Allez, faut pas que l'image se bloque parce que là je suis mal. Hein. Je vais s'en prendre deux dans ta poire. Voilà, bon c'était vite. C'était vite tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Les jumeaux. Voilà, hop. Voilà.
Voilà, c'est parti. Là, c'est des allo. Hein, c'est un autre outil? Il y a un autre outil, des. Donc, on va aller voir vite fait. Tu peux monter le son de ta voix? Ouais, attends, je vais voir ça. Hein. Attends, hop. Tu me dis ce que t'en penses là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses là? Oh, je suis mal là. Oh purée, je suis mal là. Ah, d'accord. Bon, ça va, j'étais dessus. Est-ce que c'est mieux là? Je l'ai mis presque à fond là. Tu peux monter. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Tu te fais attaquer. Ouais, bah, ça y est, c'est bon là. Salut Xerox. Donc ouais, c'est bien là, d'accord, ok. Bon bah nickel. Ah, le micro il est là, ouais. Alors attends, je vais voir le. Évidemment. Ah, attends, voilà. C'est qu'il est. Niveau. Pff, purée. C'était. Vas-y, fais voir ta chautron. Bah alors. Mal 20. Non. Nietos. Mets-le à fond, on n'entend rien. Ah bon? Non, normalement c'est bon là. Detox, il me dit que c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est que c'est bon alors. Là, c'est le même celui-là là-bas. Ouais, ça vient peut-être d'eux. Hein. Après, si c'est tout le monde qui m'entend mal, d'accord. Mais s'il y en a un qui m'entend bien et l'autre qui m'entend mal, ça vient pas de moi. Hein. Allez, on va aller directement là-haut. Non, moi c'est bien, donc je reste comme ça, il n'y a pas de problème. Non, on t'entend bien. Bon, bah, voilà, c'est bon. Ouais, bah, Xerox, tu revois ton son. Hein. Donc ça, c'est un smile. On avait dit que c'était pas d'actualité. Là, je cherche un kangourou. Si, si, je les vois tes messages, mais j'ai pas envie de répondre, Valou, quoi. J'ai pas envie de répondre. À chaque fois, tu fais de la pub pour le 175, t'as vu ce qui se passe et tout, tu t'intéresses vachement au 175. À chaque fois, j'y vais, je me suis fait défoncer, excuse-moi. Excuse-moi, Valou, ça va un moment, quoi. Hein? Voilà, c'est tout, quoi. Donc, je joue en privé, je suis bien, je suis avec mes potes et tout, nickel. Voilà. Donc, soit tu continues à me regarder, on discute, tu me donnes des conseils, y a pas de soucis et tout, mais t'arrêtes de me parler du 175, faire de la pub pour tes potes qui me les cassent, quoi. C'est tout. Voilà. Ah, maintenant je t'ai parlé. Ok. C'est tout. On m'avait dit de me taire, de rien dire, mais moi je peux pas. Je peux pas garder ça pour moi. Voilà, je te le dis quoi. C'est tout. Si c'est pas toi, tu sais qui c'est. Donc faire de la pub à travers mon Twitch pour les dégâts qu'on fait, excuse-moi, mais. Voilà. Bon, je te dis, hein, t'as deux solutions. Soit t'arrêtes de me regarder, puis on arrête de se côtoyer. C'est pas de la fréquentation, c'est du côtoiement. Ou soit tu continues, mais t'arrêtes de me parler du 175. Tu fais plus de pub sur 175, quoi. C'est tout. Voilà. Maintenant, tu peux aller péter le 175. Le reste, ce qui reste, quoi. Parce qu'il n'y a plus grand-chose, hein, évidemment. C'est clair, hein. Je vois pas l'intérêt, quoi. Et il est pas à fond. Ah bah ça, je sais pas pour ton son. Hein. Du 1000 watts. Ah bah écoute. Hein. C'est Made in China, alors, ton 1000 watts. Hein. Alors là, on a un petit mégatherium, là. Ouais, peut-être, je sais pas, il dit qu'il a du 1000 watts. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin de 1000 watts pour écouter une Twitch. Hein. Non, non, mais laisse-moi gérer, tu vois. Sans te commander, hein. Moi, teacher. niveau 60, non, ça fait court, un mégatherium 60. Hein. Ouais, non, non, on va pas se prendre la tête avec ça, non. Hmm.
Pratiquement, oui, Valou, ouais. Ouais, franchement, je crois pratiquement c'est toi ou tes potes. Mais tu sais qui c'est, quoi. C'est tout, voilà. Après, tu le prends bien, tant mieux. Tu le prends mal, tant pis. Hein, moi. Ah, j'ai un petit. Enfin, petit. C'est quoi ça? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai un alpha. Un Yuti alpha, est-ce que ça existe? Bon, attends, lui, je m'en occupe, lui. Il me prend le choubidou, lui. Non? Oh, bah, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard, fallait pas m'attaquer. Voilà, 65, terminé, on va te bouffer. Voilà. Alors, je suis d'hier, j'ai mixé. Moi, ça. Ah bah, si ça te saoule, il faut aller voir un autre Twitch, Valour. Si on peut pas encaisser, hein, petite soirée. 60, c'est trop peu. Ouais, non, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ouais, d'accord. Laisse-moi deviner. Non, pas du tout, Valou. Non, 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 non. Non, pas du tout. C'est une déduction que j'ai faite, Valou. C'est tout. Sinon, je t'aurais dit, on m'a dit que. Voilà, moi, je suis un mec franc. Je suis pas un menteur. Personne m'a dit que c'était toi. C'est une déduction que je fais moi-même. Voilà. Donc, ma déduction, elle est bonne, elle est pas bonne, elle est moins bonne, elle est bon. Non, Yuti Alpha, ça n'existe pas. Donc c'était quoi l'Alpha alors? Parce qu'il y avait un Yuti dans le rouge là. Il y avait des Carnots. Alors c'est peut-être un Carnot, Axandre. Voilà. C'est un Carnot, on dirait. Hein. C'est le Carnot qui est rouge. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on va se le faire. Ah, j'ai plus de machin. Bon, c'est pas grave. Attends, il va me mettre en désorientation le Yuti. Je sais pas à quel niveau que c'est le Yuti. Ah, vas-y, attends, attends, il m'attaque là, le bouffon. Attends, si je le mets dans une crevasse, hein, je vais peut-être mieux le taper, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, purée, ça y est, enfin, c'est pas grave, ça. C'est le Carnot, ouais, tout à fait, ouais. Non, il n'y a pas de problème, Valou, pas de problème. Si tu veux, je te passe mon compte Arc sur Twitch et tu verras que ça fait 4 jours que je ne me suis pas connecté. On est bien d'accord, c'est ce que tu viens de dire, Valou. Hier, tu m'as dit, tu as été voir sur le 175, tout a été détruit. Tout a été détruit hier. C'est bizarre, Valou. Tu me dis que ça fait 4 jours que tu n'as pas été et tu sais que je me suis fait détruire. Excuse-moi, Valou. Hein? D'accord? Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que tu mens. Hein? Voilà. Non, non, mais c'est bon, quoi. Si c'est pas lui, il sait qui c'est. Parce qu'on lui a dit. C'est tout. Arrête de me faire tourner en bourricot. Que je suis peut-être noob, ok, je suis un noob. Je suis pas un bourricot, je suis pas un demeuré non plus. Hein. Attends. Pas ton âge, hein. C'est bon. Il y a de la logique, hein. On sait où tout ça maintenant. Bon, et laisse-moi jouer tranquille, Valou, m'énerve pas, parce que après, c'est les autres qui en pâtissent. Voilà. Moi, je coule, tranquille, tranquille. Je cherche mon Carnot Alpha, le Yuti. J'ai tout paumé, voilà. Ouais, je suis devant, ouais, ça doit être ça, ouais. On a été voir un compte niveau. C'est du vin que tu bois, ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas devant, c'est du vin, ouais. Je suis devant, ouais. Ouais, mais ça m'énerve. Ah, bah attends, j'ai un petit coffre là. Comme ça, il faut que je trouve absolument le Carnot maintenant. Alors là, je vais me faire du. Alors, faut que je le retrouve. Oh ben, j'ai eu un niveau en plus. Ils ont dû tomber de la falaise, je pense. Il est peut-être dans l'eau. J'aurais pas de peau là s'il est dans l'eau. Hein. Aïe, 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 aïe. Furé. Là, j'ai un mammouth. On s'en fiche du mammouth. C'est qui serait. On doit pas être loin quand même là. Ouais, ils sont morts noyés là tous. Là, c'est quoi là? Qu'est-ce
si fou là-dedans. Tiens, on va se le péter déjà, lui. On va se faire un petit peu de niveau. Voilà, niveau 40, de la viande, ça c'est bon. C'est de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre côté. Par ici, Alexandre ? D'accord, ok, ça marche, Alexandre. Ah bah ouais, Merci, Alexandre. Merci, merci, c'est sympa. Voilà, on va essayer de le faire et je crois que là, on va monter de niveau. Je vais mettre un niveau à mon aigle. Je vais mettre l'attaque. Hein. Voilà, 941%, ça c'est du bon. Et si je me fais le carnot, je pense avoir un autre niveau, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, viens là, carnot, il n'y a plus le Yuti là pour t'aider. Alors, combien là je lui mets dans la tronche? 235, c'est pas mal, 235. Ça monte petit à petit. Hein. Allez, hop. Ouh, ça fait bobo là, mon titi. Hein. Il ne faut pas qu'il me touche par contre, un peu plus haut. Ah, là, je ne touche pas, là. Voilà, là, je le touche. 235. Voilà, il prend cher quand même, là. Il prend cher. Je ne sais pas quel niveau que c'est. Bon, je regarde pas les messages, je suis désolé, hein, parce que quand je suis en action comme ça... J'essaie d'être le plus concentré possible. Voilà, niveau 10 seulement. Oh, c'est pas grave. Voilà, j'ai la sacoche. On va voir. Des fois, dans les petits niveaux, il y a pas mal de bons trucs. J'ai une hache légendaire. J'en avais pas. Génial. Voilà, je suis en légendaire en hache. Génial, super. Bon, bah, c'est cool. Hein, c'est cool. Voilà. Donc, oh là, je suis lourd. Là. Ok, ok. Oh, c'est du tout bon, ça. On va mettre les haches là-dedans. On va mettre les cryos. Oh, c'est pas lourd, ça, c'est 500 grammes. On va mettre ça. Ça, 10 kilos quand même. Ça aussi. Ça. Ça. Sac de couchage, je vais peut-être en mettre un, là. Hein. Ouais, ça aussi. Tu fais des bébés demain ? Papy, une question, tu fais 1 mètre combien? Je suis pas pédophile. Qu'est-ce que tu veux, Xerox, encore? On va faire comme les juifs, hein. Je vais te répondre par une autre question. Pourquoi tu me demandes ça, Xerox? T'es pas pédophile, j'ai 53 ans, attends. Je viens de réaliser là. J'ai 53 balais. T'aurais dit je suis pas gay, d'accord. Mais pédophile, franchement, c'est. Je vois pas là. Mais bon. Alors, qui c'est qui court lui? C'est pas le furet, hein. Court et court le furet. Bon, bah toujours pas de kangourou. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui court? Non, c'est une femelle. Et tu rigoles, toi. Il faut rigoler, hein, faut rigoler. Moi, je suis content, j'ai une hache légendaire, là. Là, ça se précise, hein, là, il n'y a que du vert en bas. J'aimerais que du bleu ciel, du bleu, je sais plus quoi, turquoise. Avec du mythique, hein, ça serait mieux, mais légendaire, on est pas mal. Comment? Oh non. Ah, bloqué ou... Oh, purée. Attends, là, je vais me faire un petit peu de loup, là, ça va être pas mal, voilà. Voilà, niveau 25, ça me fait de l'expié. Je veux faire connaissance. Ah d'accord, donc quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit une gonzesse ou un mec, tu lui dis tu mesures combien? Ah bon, pourquoi? Bah c'est pour faire connaissance. Ok, ouais. Et toi, tu mesures combien, toi, Xerox? Un mètre... Waouh, tu joues au basket? Un mètre 96, ça fait grand, ça. Hein, ça fait grand. Hein. Tu pèses combien? 86 kilos? Ouais, normalement, il devrait peser 86 kilos.
On va voir s'il fait du basket. S'il me dit 150 kilos, j'irai non, tu fais du sumo là. une selle de d'ankylosaure. Bon, elle est toujours bon à prendre. Par contre, je vais la mettre dans l'aigle. La selle, voilà, impeccable parce que là je suis trop haut. Comment ? Bon, je suis toujours à la recherche d'un kangourou. Ils sont où ces kangourous là, franchement ? T'en as vu ? Ouais, il peut y en avoir. Mais l'autre fois j'y étais, hier ou avant-hier, j'en ai pas trouvé. Hein. Bah, kangourou, mouton, mégatherium. Non, je cherche pas spécialement un kangourou. J'aimerais bien chercher là où il y a tout ça, quoi. Bon, là, je suis au lobe bleu, là. Tu es maigre. Ah. Donc, tu fais moins de 86 kilos, alors. Bon, on va descendre de cette montagne enneigée et on va essayer de trouver des kangourous par ici. Tu vas dans la cuisine? Ah non, attends, je fais quoi là? Non, c'est pas là, c'est ça qu'il faut que je prenne. Voilà. T'as mon verre sinon? Non? Ah merci. Oh, t'es gentil. Fait plaisir. Tu le feras moins fort que moi parce que moi c'est. Non, hier c'était. Ah non, non, non. Enfin, mets en dedans quand même. Hein. Ouais, je te connais, toi. Ouais, s'il te plaît, hein, que ça ait du goût, quoi. Ouais, un petit médoc, Cédric, tout à fait, ouais. Tu es africain? Alors, laisse-moi deviner tes origines. 1m96, tu es maigre. Donc, je pense que tu es en dessous du Sénégal. Mauritanien. Je dirais mauritanien. Oui, non, t'habites en France, y a pas de problème. Y a pas de problème. Hein. Après, je sais pas si tu te considères comme français ou africain, je sais pas. Hein. Mauritanien, est-ce que c'est ça? Ah, tout le monde est le bienvenu ici. Hein. Que ce soit russe, inuit, africain. Les Éthiopiens, non, ils sont plus petits par contre. Non, non, ils sont petits, les Éthiopiens. Hein. Oh ouais. Ouais, merci. C'est gentil. Ok, super. Alors, je regarde ma stam. Ok. Alors, est-ce que. Oh, par là. Oh, un petit mégatherium. Là, on va voir. Merci à toi, Rexouille. Rexouille, c'est le nom. Rexouille. Fait marrer. Des noms marrons. Ouais, niveau 20. Laisse tomber. Laisse tomber la neige, ça fait pas de bruit, on dit. Hein. C'est ça. Hein. Bon, donc ça, c'est niette. Bon, allez, un kangourou, quel que soit le niveau, on s'en fout. Il me faut un kangourou. Qui c'est qui a mis une cabane là, tiens? Petite cabane toute mimi, là. Qui naissait? Appartient à Papy Corse, ouais, d'accord. C'est pas moi qui a mis ça là. Ah, bah, je sais pas. Alors, c'est peut-être Patricia, mais c'est pas moi. Tu es Sénégal. Ah ouais, tu sais même pas marquer Sénégal en français. J'ai du mal à te croire, Xerox. En plus, Xerox, c'est un nom d'une imprimante, ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup au Sénégal, des Xerox. Hein. Déjà, il faut l'électricité là-bas. Hein. Non, je doute. Je doute que tu sois Sénégalais, que tu fais 1m96. Et... Par contre, je doute pas que tu te fous de ma poire, tu vois, Xerox. Mm. Mais bon, faut bien que tu passes le temps. Hein. Y a pas de problème. Fais gaffe, je suis devant. Ah, pote à Valou, peut-être. J'ai pas l'Alzheimer encore, Xerox. Pas encore. On a déjà conversé ensemble. Il y en a, je me rappelle plus que d'autres. 57. Bah alors, mon alarme de Google, là. Comment ça se fait?
Tu m'as pas donné mon alarme. Je t'avais demandé dans 20 minutes. On va attendre 58. Si dans 58 tu me l'as pas donné, c'est que t'as oublié Google. Je vais te mettre au chômage, moi, Google. Je vais te renvoyer. Un méga. Ah bah voilà. Merci Google. T'es gentil. Alors attends. Bah bien sûr. Ok Google. Tais-toi. Voilà, ça c'est du bon ça. Je rigole, c'était un prank, je fais 1m80, 83 kg et je suis belge. Bon, bah, tu vois, Xerox. Je voyais bien que tu te foutais de moi. Maintenant que tu me dis que t'es belge et tu fais des fautes d'orthographe de français, ok, là je te crois plus. C'est clair. Ouais, non, c'est bien Google, au moins il sert à quelque chose parce que ces blagues pourries, là, ils commençaient à me ruiner l'esprit, là, c'est bon. Oh là là, je suis vachement où là, je suis où là, je suis pour volcan quand même. Ah bah si. Ah bah ouais, je suis au volcan. Bon, ok. Donc merci de m'avoir suivi, rendez-vous au prochain épisode, ciao, bye bye.